comment stopper une crise d'angoisse en 3 minutes. La méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo a été inventée par Barry McDonough, un psychologue irlandais qui a notamment écrit le livre DARE. Avant de commencer, il est important de comprendre que vous n'êtes absolument pas en danger. Il ne peut rien vous arriver. Vous n'êtes pas en train de faire un infarctus, vous n'allez pas arrêter de respirer ou vous évanouir. Personne n'est jamais mort d'une crise d'angoisse et vous ne serez pas le premier. Si vous avez si peur, c'est juste à cause de votre cerveau qui vous joue des tours. Mais vous êtes 100% en sécurité. Une crise d'angoisse, ce n'est rien d'autre que de l'adrénaline libérée en grande quantité dans le corps. Et l'adrénaline, c'est aussi l'hormone qui est libérée lors des moments d'intense excitation. C'est aussi l'hormone qui est libérée lorsqu'on est en colère, et c'est pour cela que lorsqu'on est vraiment énervé, on ressent les mêmes sensations physiques que pendant une crise d'angoisse. Alors, sans plus attendre, voici les 4 étapes pour stopper une crise d'angoisse. Avec toute l'adrénaline qui est en ce moment dans votre corps, il est tout simplement impossible de devenir calme. Il ne faut pas chercher à se calmer, mais plutôt chercher à devenir excité par toutes ces sensations physiques. Il faut transformer la panique en énergie d'excitation et de stimulation positive. Alors bougez, chantez, dansez, criez. Imaginez que vous avez bu 15 tasses de café et que vous êtes plein d'énergie. En parallèle, accueillez l'anxiété. Ne résistez pas, lâchez prise, relâchez les tensions. Répétez-vous, j'accepte et j'autorise ces sensations, j'accepte et j'autorise cette anxiété. Si la panique continue à augmenter jusqu'à atteindre un pic, ce moment où vous sentez que vous ne pouvez pas plus en supporter et que vous devez absolument vous enfuir de là, dites-vous tout de suite, je veux plus de sensations, je veux que le pire se produise. Dites à votre anxiété qu'elle a 21 secondes pour que ce que vous craignez le plus arrive, mais qu'ensuite, ça sera fini. Puis comptez à rebours. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Allez, que le pire se produise. 14, 13, 12, 11, 10. Anxiété, plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, 1, 0. L'anxiété bluffait. Il ne s'est rien passé. Faire cela permet de stopper la peur. Les sensations physiques sont toujours là, mais vous n'êtes plus paniqué. Félicitez-vous. Vous avez exigé que le pire arrive et il ne s'est rien produit. Vous avez repris le pouvoir sur votre peur. Vous n'êtes plus la victime de votre anxiété. Cependant, ne restez pas sans rien faire à ressasser ce qui s'est passé, mais occupez-vous plutôt l'esprit, par exemple en travaillant, en lisant ou en parlant. Il faudra entre 20 et 30 minutes pour vous sentir à nouveau calme, le temps que l'adrénaline soit éliminée de votre corps. Sachez qu'il est possible que l'anxiété recommence à monter après avoir réalisé cet exercice, car l'anxiété arrive par vagues. Dans ce cas-là, vous pouvez recommencer les étapes depuis le début autant de fois que nécessaire.